scored two in the important Game 3 victory over Peristeri a couple of weeks ago, and that's nil, Pavley for three, a brilliant one from Lacombe. And that, for them, must be very, very encouraging. Be taken through by Keane again, who's having a brilliant contest. Chance for three, executed fantastically by Paul Lacombe. At the start of the season. So positive stuff from him straight away. This is Paul Lacombe for SC Strasbourg. So fantastic last week. And what a setup. Two seasons with the Chelona Gorda. Now loving life in Dijon. And up for Kuric. Comes through Pateke again. And up was Lacombe. 9 points for Lacombe now. Played it back, Beaufort getting really involved, and Dijon stripped bare. The week before in the overtime victory against Hapoel Holon, that they won by 112 to 110. He wasn't the top scorer either. That set up well for Paul Lacombe, who scores. Well anticipated by Masson, and it would fly past on the rebound. He's got it up well towards Keane. Inside well, quick hands, great thinking, good score, Lacombe. In this competition right now, in terms of the new power rankings, unleashed today, Hapoel is sixth. Chance of three, and it is in, and Paul Lacombe returns. Le ballon sur Paul Lacombe qui lui trouve à l'intérieur la bonne passe sur Kuruc qui a fait une Paul Lacombe tout simplement dans la coupe dans le dos. Le bon décalage, il y avait un décalage à faire. Bon, il est fait d'une autre manière. Et Kuruc qui est bien trouvé avec la fixation. C'est-à-dire Ify qui va aller sur sa patte gauche, trouver Nico. Ouh, il devait aller au bout. Là aussi, il devait aller au bout. Mauvais choix. Mais par contre, lui, il va au bout. Hein. Ça switch avant, parce que quand, sur la remontée, ça re-switch pour que Curry puisse défendre sur Keane. Shoot compliqué. Shoot très compliqué, le Paul Lacombe. Mais c'est dedans. C'est lui. Le go-to-guy de cette équipe. Alors, il y en a un deuxième. Hein. Il y a Paul Lacombe, évidemment. Et je suis à 3 points, Peterka. S'améliorer au fur et à mesure de la fin de saison, il n'est qu'à 26% pour le moment le laiton, mais ce sera important que Kuruc se trouve de la régularité. Ah, et c'est dommage, le aller au praté entre Paul Lacombe et justement le laiton. Et vous le voyez en bas de votre écran, Strasbourg qui est déjà dans la pénalité avec 5 fautes. Cholet en est à 3. On va voir si les Angevins vont pouvoir utiliser ce facteur pour en FIBA Europe Cup, mais également en Baltic Elite. Pourquoi pas également aussi à la Leaders Cup la semaine prochaine. Ça pourrait être très intéressant de voir ce que peut faire Cholet en Leaders Cup. Ce qui a été tenté par Perry Ellis. Et derrière la contre-attaque strasbourgeoise. Et regardez le score. Strasbourg est déjà revenu à 4 petits points, peut-être 3, avec le lancer franc bonus. Ah, bien joué cette remise en jeu maligne. Belle vista entre Marcus Keane et Paul Lacombe. 2 points faciles pour Strasbourg qui recolle à 4 unités.